Bonjour, chers amis téléspectateurs, comme Acadie, moins content aujourd'hui là de partager la parole de Dieu avec vous. Avant de commencer, nous allons d'abord prier. Tendre Père Céleste, merci pour cette belle journée que tu nous as donnée. Merci Seigneur de nous avoir nourris, donné la vie. Merci Seigneur parce que tout ce que nous avons nous vient de toi. Saint-Esprit, puisses-tu parler à chaque personne qui nous écoute maintenant. Puisses-tu édifier et délivrer, consoler. Prends le contrôle de ce moment au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Je réclame le sang de Jésus-Christ sur moi et sur tous mes amis auditeurs. Qu'ils soient couverts par le sang de Jésus. Tout esprit d'incrédulité, de manque d'entendement est lié. Au nom tout-puissant de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Bon Dieu bénisote, bon Dieu avec zote, que Dieu soit avec vous. Et c'est pour moi un privilège de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Maintenant, avant d'entrer dans la parole de Dieu, on va suivre le rubrique qui est moins qu'appelée rubrique TikTok pour voir ce qui se dit, ce qui se passe dans les médias. Malheureusement, aujourd'hui, c'est dans les réseaux sociaux que se trouve la vérité parfois. C'est vrai, il y a des fake news hein, dans les réseaux sociaux. Mais malheureusement aussi, nos télévisions, des fois habituelles, sont manipulées. Ils ont des informations orientées par le système. Et parfois, le commun des mortels qui fait son reportage sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, parfois, même sur YouTube, parfois nous rapporte des faits réels. On va regarder un peu comment qu'a dit comment pas dit quelques images qui se passent sur les réseaux sociaux. Je tiens à vous dire, c'est pas des images obligatoirement religieuses. Hein. J'essaye de ne pas me focaliser que sur l'aspect religieux. Notre programme doit être un programme spirituel, mais un programme aussi de divertissement. Voilà pourquoi encore essayer, passer autres quelques extraits rigolos, amusants. Voilà, on n'est pas des gens bornés par la religion. Moi, je crois à la vie. Vous voyez, je crois à la vie, je crois à la joie de vivre. Alors, suivez. Écoute-moi, ma chérie, il y a quatre choses qu'il ne faut jamais faire pour ne pas détruire ton couple, pour ne pas détruire et envenimer ta vie conjugale. La première chose, ne donne jamais tort à ton mari devant sa famille, devant les enfants. Même quand le monsieur a tort, mais vous connaissez l'orgueil masculin, n'insistez pas, zappe simplement. Deuxièmement, ne monte jamais le ton plus haut que ton mari. Une femme sage se calme lorsque ton mari est énervé. Même quand il monte le ton, tu vois qu'il est énervé. Toi, ne joue pas son jeu. Toi, calme les yeux. Troisièmement, ne rappelle pas à ton mari ses erreurs passées. Quand c'est pardonné. Le passé est passé, ma chérie. Quatrième chose à ne pas faire, ne compare pas ton mari aux autres hommes. Chaque couple a son histoire. Chaque homme, comparaison n'est pas raison. Chaque homme a son histoire. Ne compare pas ton mari aux autres. Et cinquièmement,
ne parle pas de tes ex. Ou ne parle pas de ses ex. Oublie le passé. Ma chérie, ces cinq choses-là, il ne faut jamais le faire si tu veux garder la paix et la joie dans ton couple. Je t'aime beaucoup. Bon courage. Ça va aller. Écoute-moi, ma chérie, il y a quatre choses. La vie, c'est ça. Hein? Voilà. La vie, c'est ça. Hein? Je vous dis, la vie, c'est ça. C'est s'amuser à deux. Passer du bon temps à deux. Voilà pourquoi, mon fils, beaucoup de vos femmes dépriment. Elles sont malheureuses, elles dépriment parce que vous sortez jamais ensemble. Vous ne vous amusez jamais ensemble. Hein? La femme est toujours dans la cuisine. La femme est toujours en train de surveiller les enfants. C'est pas ça. Apprenez à vous amuser ensemble. D'où? Dis un peu un mot. Qu'est-ce que tu dis? C'est ça, non? C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Ah! Écoutez conseil, mon fils! Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la parole, l'essentiel. La parole, l'essentiel. Ce qu'Anka dit, c'est parole à bon Dieu, c'est l'essentiel de la vie chrétienne. On va lire cela dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Nous calons ça. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service, comme nous peut dire aux nombreuses tâches du ministère. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? D'où-lui donc de venir m'aider? » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que ce passage de la Bible, des fois, illustre ce qui se passe parfois dans nos vies. Que vous soyez pasteur, engagé dans le ministère, en tant que pasteur, prophète, chrétiens, nous sommes très souvent concernés par ce passage plus que l'on ne pense. Vous savez, il ne s'agit pas seulement d'une narration, mais il s'agit d'un enseignement de la vie pour chaque enfant de Dieu. Voyez, Marthe a reçu Jésus. C'est l'image de tous les chrétiens qui ont reçu Jésus. Alors, Léonka dit recevoir Jésus, cela ne veut pas dire recevoir une religion. Les adventistes disent, pour être sauvé, il faut venir dans notre religion. Les catholiques disent, pour être sauvé, c'est religion à nous qui bon. Les témoins de Jéhovah, encore là, c'est pire. Si vous pas témoin de Jéhovah, tu vas en enfer. Les musulmans disent, pour être sauvé, il faut devenir musulman. Mais il y a un seul Dieu. Mais pourquoi tant de religions?
Quelqu'un m'avait posé la question, il y a un seul Dieu, pourquoi tant des religions? Il y a un seul Dieu, malheureusement, nous les hommes, nous avons du mal à comprendre Dieu, à voir la bonne interprétation de la parole. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voyez, la vérité n'est pas dans l'église catholique. La vérité n'est pas dans l'église évangélique. La vérité n'est pas dans l'église protestante. La vérité est dans la parole. Et accepter Jésus, ce n'est pas aller dans une religion. Mais cela ne veut pas dire que moi contre le fait d'aller à l'église. Hein. Je ne suis pas contre que les gens aillent à l'église. D'ailleurs, cela est une obligation. Parce que la parole de Dieu dit, il est bon pour le frère et sœur de se retrouver unis ensemble. C'est là où Dieu déverse sa bénédiction. On appelle ça onction corporative dans Psaume 133. Il est bon pour le frère et sœur de demeurer unis ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Là où nous unis, bon Dieu qu'a béni. Bien sûr, maintenant, avec les technologies qui se sont développées, il y a le monde qui préfère rester à la maison. Les autres qui ont dit, mais c'est pareil. Je suis le culte à la maison, je reste assis. D'accord, si vous n'avez pas le moyen financier ou le moyen matériel d'aller à l'église, ou vous avez un empêchement sérieux pour des raisons de santé ou autre chose, la grâce de Dieu peut pallier à cela. Mais si vous avez le moyen de communier avec les autres, mais que vous êtes fainéant, que vous aimez plus votre confort, vous voulez pas vous déranger, sachez que vous vous privez d'une grande bénédiction parce que Dieu n'accepte pas le fainéantisme. Donc la vérité, c'est pas dans une religion, c'est Jésus lui-même. Donc ici, Marthe, c'est l'image de quelqu'un qui accepte Jésus dans sa vie. Alors qu'est-ce que cela veut dire accepter Jésus dans sa vie? C'est pas obligatoirement aller voir le curé. C'est pas obligatoirement venir voir Bishop Eli. Non, accepter Jésus dans sa vie, recevoir Jésus dans sa maison comme Marie, comme Marthe, c'est le fait de croire à l'évangile, de croire à la parole de Dieu et d'accepter de marcher d'après les règles de la parole de Dieu. C'est adhérer à la vision de Jésus. C'est accepter le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. C'est pour cela parfois qu'a dit, je comprends pas les gens qui ont du mal à suivre Jésus. Et moi, je vous parle pas de la religion avec ses règles, avec ses rituels. Jésus, la Bible dit en un seul mot, Dieu est amour. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et il n'y a aucun prophète sur terre qui a manifesté autant d'amour que Jésus. Il n'y a aucun prophète qui peut égaler Jésus dans l'histoire de l'humanité. Aucun. Jésus n'a jamais tué. Jésus n'a jamais frappé. Jésus n'a jamais couché avec une femme. C'est-à-dire que le péché originel n'est pas dans Jésus. Et Jésus, c'est le seul prophète, que cela soit dans le Coran ou dans la Bible, qui est né sans péché originel, sans rapport sexuel. C'est le seul. Jésus est le Fils de Dieu. C'est un terme imagé qui veut dire simplement, comme le dit le Coran et aussi bien la Bible, Jésus est le Verbe de Dieu. Dans Jean chapitre 1, on dit, au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu et le Verbe était Dieu. Donc c'est Jésus. Et le Coran dit, Jésus, le prophète Isaïe, c'est le Verbe de Dieu que Dieu a mis dans le ventre de Marie.
Donc, accepter, recevoir Jésus dans sa vie, ce n'est pas adhérer à une certaine religion ou vous soumettre à un certain pasteur. Malheureusement, aujourd'hui, je tiens à vous dire, ni en l'eau charlatan, en accord avec les autres. Mais ce n'est pas tous les pasteurs qui sont des charlatans, mais je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de charlatans. Malheureusement, dans une bonne partie de pasteurs africains et antillais qui pullulent en Europe, la route de l'émigration est devenue la route de l'évangélisation. En lot, pasteurs, des vendeurs de grèves qui vous trompent, qui vous manipulent pour vous soutirer de l'argent. Malheureusement, voilà pourquoi vous ne devez pas aller n'importe où. Vous devez connaître la vie de la personne, la traçabilité, la vie de la personne qui se dit pasteur et qui vous prêche la parole de Dieu. Nous allons voir cela. Donc, Marie a accepté Jésus dans sa maison. Et lorsque Jésus est entré dans la maison de Marie, Jésus a commencé à enseigner la parole. Mais le problème, c'est que Marthe a accepté Jésus dans sa maison, mais Marthe était occupée. Marthe était occupée au service. Marthe était occupée au ministère. Et cela m'est déjà arrivé à moi. D'être tellement occupé dans le ministère, d'être tellement occupé à aller visiter les gens, à aller prier pour les gens, à répondre au téléphone, jusqu'à un certain point où je n'ai plus le temps d'écouter le Saint-Esprit, d'étudier la parole. Beaucoup de chrétiens et beaucoup de pasteurs, beaucoup de ministres de Dieu sont tombés dans ce piège. Lorsque le ministère grandit, on a constaté, on a fait un constat, lorsque un ministère est petit, le pasteur est spirituel. Le pasteur est proche de Dieu. Quand on dit spirituel, pas religieux, spirituel, proche de Dieu. Parce que être proche de Dieu et être religieux, c'est deux choses différentes. Les gens religieux, ce sont des gens qui obéissent aux règles d'une religion. Et ils peuvent ne pas être proches de Dieu. Et parmi les gens religieux, nous avons les scribes et les pharisiens que Jésus-Christ avait maudits et ne supportait pas. Parce que c'était des gens qui étaient des véritables hypocrites. Mais être proche de Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu, demeurer dans la parole de Dieu, être soumis à la seigneurie de Jésus. Dire comme le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et Jésus-Christ s'est dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alors, Marthe était occupée. Croyez-moi, beaucoup des ministres de Dieu ou des chrétiens, lorsque leur ministère est au début, ils ont le temps pour prier, ils ont le temps pour s'occuper de la parole, ils ont le temps pour s'asseoir au pied de Jésus, pour prier, pour adorer, pour écouter la voix de Dieu. Plus le ministère grandit, plus il y a de succès, plus il y a de l'impact, moins ils ont le temps. Et conséquence, on constate que plus le ministère grandit, plus la spiritualité du pasteur baisse. Ça, c'est prouvé statistiquement et sociologiquement. Les ministres de Dieu, cela se ressent parfois dans leurs messages, dans leurs comportements, ils deviennent irritables, ça se voit par leur comportement, par leur attitude, et certaines commencent à tomber dans le péché. N'oubliez pas que Jésus-Christ a dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans le péché, afin de ne pas tomber dans la tentation ». Est-ce la solution imparable que Jésus a donnée contre le péché? Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Mais lorsque l'enfant de Dieu, l'ancien, la choriste, le ministre de Dieu
L'évangéliste, le prophète est trop affairé dans les tâches quotidiennes. Il n'a plus le temps pour passer au pied du Seigneur. Écoutez sa parole, écoutez l'Esprit, méditez sa parole nuit et jour. Et c'est là que vous voyez tous ces célèbres pasteurs qui tombent dans le péché de mœurs, dans le péché. Voilà. Alors, à un moment donné, Marthe va dire à Jésus, mais Seigneur, tu ne te rends pas compte? Je suis dépassé par la tâche. Je dois visiter les malades. Je dois ranger la maison. Je dois cuisiner tout seul. J'ai tellement de choses à faire. Et tu laisses Marie s'asseoir à tes pieds. Écouter la parole, alors qu'elle aurait dû m'aider, elle me laisse tout seul travailler. Jésus a dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a compris l'essentiel. Marie a choisi la bonne part. Ça veut dire, Marie a fait la bonne priorité. Il a mis, vous savez, bien aimé, la présence de Dieu doit être votre priorité. La présence de Dieu doit être votre priorité. Votre communion avec Dieu doit passer avant tout. Le jour où vous allez comprendre cela, que la présence de Dieu, parce que Marie, bien sûr, il y avait beaucoup de travail à faire. Et vous savez, des fois, le ministère peut devenir une distraction. Vous voyez, on dit que quelqu'un est distrait lorsqu'il est occupé à tout sauf à l'essentiel. Aider les gens n'est pas mauvais, hein. Prier pour les gens n'est pas mauvais. Prêcher la parole, c'est pas mauvais. Soutenir les gens, visiter les malades, c'est une bonne chose. Mais quand ces activités-là prennent la place de la prière, quand ces activités-là prennent la place de la prière, vous vous êtes trompé des priorités. Il faut respecter la priorité de Dieu. Il faut que dans votre vie, la présence de Dieu soit votre priorité. Vous devez passer du temps dans la prière, passer le temps à lire et à méditer la parole de Dieu. Même quand il y a urgence, la parole de Dieu. Bien sûr, pour le Seigneur, il n'y a pas d'excuse. Croyez-vous que Marthe était folle? Elle n'était pas folle. Il y avait beaucoup à faire. Et elle avait beaucoup de responsabilités. Et Marthe avait une bonne intention. Marthe était zélée. Pour moi, c'était une femme extraordinaire. Elle était généreuse. Elle faisait une bonne chose. Elle voulait bien accueillir Jésus. On peut pas reprocher Marthe ses intentions. Mais sauf que Marthe s'est trompée de priorité. Combien de gens sont là? Dieu t'a créé. Dieu t'a donné la santé et la vie. Mais tu n'as jamais le temps pour Dieu. Vous voyez, vous êtes toujours dans votre maison. Vous n'avez jamais le temps pour venir à l'église. Ou, des fois, certains me disent, ah, l'église est trop loin. Mais, le travail est trop loin aussi. Mais tu vas tout le matin. Le travail est très loin. Mais tu vas tout le matin et tu vas jamais en retard. Tu payes l'essence. Parce que l'argent est très important pour toi. Mais quand il s'agit de Dieu, ah, l'église est trop loin. Et l'erreur que les chrétiens, certains chrétiens font, ils vont dans l'église qui est la plus proche. Est-ce que c'est biblique? Je vais dans une telle église parce qu'elle est plus proche de chez moi. C'est pas une raison. Je vais dans l'église où Dieu m'a mise. Les églises ne sont pas de supermarchés. Je veux dire ça aux gens, mais ils veulent pas comprendre.
C'est comme ça qu'ils détruisent leur couple, ils détruisent leur vie, ils détruisent leur bonheur parce qu'ils refusent de payer le prix. Je vais économiser l'essence, je vais dans l'église qui est la plus proche. Mais est-ce que Dieu est là? Est-ce que la présence de Dieu est là? Est-ce que c'est là où Dieu te veut? On va pas dans une église parce qu'elle est plus proche, mais je vais parce que je sens que Dieu me veut dans cette église-là. Ce pasteur-là, je le ressens, je sens qu'il est sérieux. Moi, je connais quelqu'un qui venait dans mes réunions. Mais un jour, il a dit, je vais dans une telle église parce qu'elle est plus proche de chez moi. Mais le résultat était là. Le résultat était là. Le résultat était là. Dans cette église, cet homme-là qui se disait pasteur, c'était un charlot, un menteur, un hypocrite, un manipulateur. Parfois, on va au mauvais endroit parce qu'on est fainéant. Malheureusement, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, on devient fainéant. Mais pour le travail, pour l'argent, même pour la copine, pour une femme qu'on veut draguer, une femme qui nous plaît, la distance n'est plus un obstacle. Marthe avait des excuses. Combien de fois on trouve des excuses? Seigneur, je ne peux pas prier parce que je suis malade. Seigneur, je ne peux pas prier parce que mon enfant est malade. Seigneur, je ne peux pas prier parce qu'il me faut payer telle facture. Seigneur, excuse-moi, je dois aller même visiter les malades. Mais rien n'a plus de valeur que la présence de Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, veut dire, c'est chercher d'abord la présence de Dieu. Rien ne vaut plus que votre communion avec la présence de Dieu. Rien ne vaut plus que la présence de Dieu. Et qui dit la présence de Dieu, dit la parole de Dieu. La présence de Dieu va de pair avec sa parole. Vous ne pouvez pas être présent, vous ne pouvez pas être avec Dieu et vivre en dehors de sa parole. Pendant que Marthe s'occupait de plusieurs tâches de la chorale, je vous donne une image, chorale. Je connais les dirigeants de la chorale qui n'ont même plus le temps de prier, c'est la chorale. Le choriste qui n'ont plus le temps de prier, c'est répétition, répétition. On doit retourner aux pieds du Seigneur. On doit retourner au pied du Seigneur, au pied de la parole. On doit se soumettre à la parole. C'est bien de prêcher, mais est-ce que tu es au pied du Seigneur? Vous savez, être au pied de quelqu'un, s'agenouiller devant quelqu'un, être au pied de quelqu'un, cela va de pair avec le fait d'être soumis à l'enseignement de quelqu'un. Dans Jacques, on dit soumettez, résistez au diable et soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Comment peut-on se soumettre à quelqu'un qu'on ne voit pas? On se soumet à Dieu lorsqu'on respecte la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. Jésus-Christ a dit, pardonnez aux autres leurs péchés. Si vous voulez que Dieu vous pardonne, ça sert à rien de prêcher la parole. Ça sert à rien de visiter les malades. Ça sert à rien de parler en langue et de vivre avec l'amertume dans le cœur, de vivre avec la rivalité dans le cœur. Parfois, je regarde sur TikTok les comportements de certains pasteurs africains, spécialement de mon pays d'origine, le Congo. Je suis choqué. Des gens qui prêchent la parole, qui font des enfants hors mariage, qui se disputent entre eux, qui sont en rivalité, et qui s'insultent même publiquement dans des réseaux, qui s'insultent, qui se menacent. Et j'ai vu dernièrement un pasteur qui dit, moi je fais le karaté, il dit à un autre pasteur, je fais le karaté, je vais te taper si je te croise. Je dis, mais, quelle bassesse, comment est-ce que tu peux prêcher l'évangile, prétendre être un homme de Dieu, mais tu parles comme le diable.
Au vu du temps de la fin, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Mais malheureusement aussi, ils ont des fidèles tellement asservis et abrutis, des fidèles qu'ils ont abrutis, je dis bien abrutis. Ils n'ont même pas enseigné. Jésus a dit, vous le reconnaîtrez par leurs œuvres. Un pasteur qui parle comme ça, c'est pas un pasteur. Un pasteur qui insulte les gens, c'est pas un pasteur. Ses œuvres sont contraires à la parole de Dieu. Mais malgré ça, les chrétiens continuent toujours, comme des fanatiques, continuent toujours à aller dans ces genres d'église. Être assis au pied du Seigneur, c'est obéir à sa parole. Le Seigneur a dit de pardonner, je pardonne à un tel. Le Seigneur a dit d'aimer, je vais aimer un tel. Le Seigneur a dit, voyez, de marcher dans l'amour, je veux marcher dans l'amour. C'est ça, ce que ça veut dire, se soumettre, être assis au pied du Seigneur. La Bible dit, heureux l'homme qui lit et qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Psaume 1, heureux l'homme qui n'écoute pas les conseils de méchants, qui ne s'assoit pas sur le banc de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur le chemin de pécheurs, mais qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il ferait ici. Ce qu'il fait réussit. Les affaires réussissent. Son mariage réussit. Ses études réussissent. Son travail réussit. Tous ses projets, c'est extraordinaire. Vous voulez réussir dans votre vie. Vous voulez réussir dans votre vie. Donnez à Dieu sa place. D'ailleurs, Christ est dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Personne ne peut servir Dieu et Mammon. Si les inquiétudes sont les centres de votre vie, et ce n'est pas Dieu, donnez à Dieu la place centrale dans votre vie. Donnez à Dieu la priorité. J'avais donner une image. J'ai dit aux chrétiens, nos problèmes sont comme des blocs de glace. Voyez, quand c'est l'été et qu'on vous amène un bloc de glace, on le dépose dans votre jardin et qu'il fait vraiment chaud, vous n'avez pas besoin de perdre votre temps avec un marteau pour casser ce bloc de glace. Vous risquez de vous blesser et de vous fatiguer inutilement. Laissez ce bloc de glace sous le soleil. Le temps est favorable. La chaleur du soleil fait le travail lentement et sûrement. La chaleur du soleil va le fondre. Le temps que vous aurez gaspillé à casser ce bloc de glace, investissez-le à votre mari, investissez-le dans votre mariage, investissez-le dans vos projets, dans votre famille, et même dans la prière. Parfois, nous gaspillons notre énergie, notre temps à des occupations, à des problèmes de la vie. C'est la raison pour laquelle l'ennemi vient toujours nous charger des problèmes, des soucis. C'est demain, hier c'est l'enfant, après demain c'est la voiture, après demain c'est la maison, après demain c'est ta santé, après demain il y a toujours des factures. Tout ça c'est pour occuper votre esprit. Et vous empêchez de donner la place centrale à Jésus-Christ. Parce que le diable sait que le jour où vous allez donner la place centrale à Jésus-Christ, tout ce que vous allez faire réussira. Et il ne veut pas que vous puissiez réussir. Donc, nous voyons Marie qui a fait le bon choix, qui a donné la priorité à la parole, la priorité à sa communion avec Jésus.
Il a donné la priorité à Jésus. Et ce n'est pas facile. Et c'est un peu ce qui nous arrive des fois. Le soir, nous prions quand nous n'avons plus rien à faire. Voilà pourquoi nos prières sont somnolentes. Nos prières sont faibles. Les gens, des fois, ils rentrent à la maison, ils regardent des infos, ils regardent la télé, ils mangent, ils parlent avec des amis, ils discutent, ils regardent un film. Et juste au moment où il est fatigué et qu'il veut dormir, et c'est là où il pense à Dieu, il veut prier. Mais tu es déjà fatigué. Je pense que lorsque vous retournez à la maison, pendant que vous êtes en forme, pendant que vous êtes bien disposé, c'est le moment où vous devez passer dans la présence de Dieu. Parce que vous êtes dans des bonnes dispositions. Vous allez voir que votre vie de prière va changer de dimension et votre communion avec Dieu aussi va changer de dimension. Avant de clôturer, nous allons voir sept effets positifs de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y en a plusieurs, hein, mais aujourd'hui on va voir à peu près sept. Le premier effet, la parole de Dieu est une nourriture. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et lorsqu'on dit l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ici, on est en train de parler de l'homme intérieur. Votre esprit a besoin de se nourrir. Il faut nous manger le matin, le soir, à midi. Et nous avons des chrétiens qui lisent la parole de Dieu une fois dans la semaine. Certains lisent la parole de Dieu que le dimanche. Imaginez-vous un homme qui ne mange que le dimanche. Comment serait sa santé? Et vous voyez, lorsque vous ne mangez pas suffisamment la parole de Dieu, votre esprit ne se nourrit pas. Ne se fortifie pas avec la parole de Dieu, le résultat, vous serez faible mentalement, vous serez faible spirituellement. Il y a des chrétiens qui sont faibles, il y a des chrétiens qui deviennent même dépressifs. La faiblesse spirituelle vous amène à la dépression, au découragement. Il y a des chrétiens qui se découragent facilement, qui abandonnent facilement, qui n'ont pas une force morale. Parce que leur esprit n'est pas bien nourri. Vous avez besoin de vous nourrir tout le matin avec la parole de Dieu. Deuxièmement, la parole de Dieu nous fortifie. Quand vous mangez, quand vous êtes faible, moi ça m'arrive des fois, quand je suis en jeûne, j'ai fait 3 jours de jeûne des fois sans manger, et je me sens faible. Et dès que je mange quelque chose, je me sens fortifié. Je me sens fortifié automatiquement. Je me sens encouragé. Donc, la parole de Dieu nous fortifie. Et lorsque Dieu a dit à Josué, seulement fortifie-toi. Seulement, je te donne partout où tu mettras ton pied. Toute terre où tu poseras ton pied dessus, je te la donne. Mais une seule condition, prends courage, seulement fortifie-toi. Parfois nous sommes fortifiés par les gens, par les compliments, par les circonstances. Mais la manière la plus efficace de se fortifier, c'est la parole de Dieu, c'est rappeler des promesses de Dieu. Déclarer la parole de Dieu, confesser la parole de Dieu, ça fortifie votre esprit. Troisièmement, elle éclaire votre sentier. Dans le psaume, on dit, ta parole est une lumière qui éclaire mon sentier. Donc la parole de Dieu éclaire notre sentier.
Parfois, il y a la confusion dans notre vie. On ne sait pas où aller. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Dans telle condition, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans telle situation, que dois-je faire? Certains chrétiens vont chercher des prophètes, voyez. On va chercher à rencontrer un prophète pour que le prophète nous dise qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il y a des situations dans lesquelles la parole de Dieu est suffisante. Par exemple, quelqu'un m'a fait du mal et me demande de lui pardonner. Est-ce que j'ai besoin d'un prophète pour me dire s'il faut que je pardonne ou pas? Je n'ai pas besoin d'un prophète ou d'un ange pour me dire ce que je dois faire. La parole de Dieu éclaire mon sentier. La parole de Dieu dit clairement « Pardonnez et vous serez pardonnés ». Cela ne veut pas dire que je dois recommencer à fréquenter la personne ou que je dois recommencer à collaborer avec la personne. Non. Je ne dois plus en vouloir à la personne. Je ne dois plus avoir de l'antipathie pour la personne. Je ne suis pas obligé de lui faire encore confiance. Non, non. Il y a des gens qui ne méritent pas votre confiance. Dieu lui-même nous dit, soyez prudents comme des serpents. Vous voyez, il y a des situations dans lesquelles on n'a pas besoin d'une révélation d'un prophète, mais la parole de Dieu à elle seule suffit pour nous éclairer. La parole de Dieu booste notre foi. Troisièmement, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole, cela booste notre foi. Oui, c'est important que vous puissiez mémoriser la parole. Dieu a dit à Josué, garde cette parole dans ton cœur. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Nous devons garder la parole de Dieu jalousement dans nos cœurs. Et la parole nourrit notre foi. La parole, les gens disent, comment avoir une grande foi? J'ai déjà vu un chrétien qui m'a demandé, comment avoir une grande foi? Pour avoir une grande foi, il faut méditer la parole de Dieu. Quatrièmement, la parole de Dieu est un miroir. Elle nous juge. Voyez, moi, avant de faire la télé, je suis passé devant le miroir, je peignais mes cheveux, j'ai arrangé mon visage. Et lorsque je parle de miroir, je crois que toutes les femmes savent qu'est-ce que c'est qu'un miroir. Une maison qui n'a pas de miroir, en tout cas, si vous voulez chasser votre femme de la maison, enlevez tous les miroirs de la maison, elle va partir d'elle-même. Une femme ne peut pas vivre sans miroir. Une femme normale, tous les matins, doit se miroiter. Mais la parole de Dieu est notre miroir qui nous montre notre état spirituel, qui nous montre ce qu'on doit corriger en nous. Jacques chapitre 1, verset 23. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui oublie. La parole de Dieu est un miroir. Il est comparé à un miroir. Sixièmement, la parole de Dieu est une épée, est une arme spirituelle. L'apôtre Paul dit, ayez comme épée la parole de Dieu. C'est une épée. Notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Notre combat est spirituel. Nous devons pas dépendre de la chair. Nous ne devons pas dépendre des hommes. Parfois, on croit avoir affaire à des hommes, alors qu'on a affaire à des démons et à des esprits. Nous devons donner la parole de Dieu la place.
Une paix est une arme offensive et défensive. Nous devons apprendre à utiliser la parole de Dieu pour délivrer. C'est une arme. Un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu ni les promesses de Dieu, c'est un chrétien qui est comme un soldat en pleine guerre sans armes. Imaginez-vous un soldat dans un champ de bataille qui n'a pas des armes. Septièmement, la parole de Dieu est Dieu. Elle nous révèle Dieu. Elle nous aide à connaître Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Pour connaître Dieu, vous devez connaître la parole de Dieu. Vous avez besoin de connaître la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que ça dit, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Autrement dit, la qualité de la vie éternelle, on l'a lorsqu'on connaît Dieu. Voyez, si vous aimez votre femme, vous allez vous intéresser à elle et vous allez chercher à la connaître. Vous devez chercher à connaître, n'est-ce pas? Et quand vous aimez Dieu, vous allez chercher à connaître Dieu. Vous allez vous intéresser à la personne de Dieu. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Nous passons du temps à suivre des journaux télévisés tous les jours. Nous passons du temps à lire des romans tous les jours, à lire des journaux. Il y en a qui lisent les journaux tous les matins. Mais nous passons pas de temps pour lire la parole de Dieu. Très peu de chrétiens peuvent vous dire qu'ils connaissent la parole de Dieu. Même des chrétiens. Donnons à Dieu la première place. Ne tombons pas dans ce piège de faire de notre vie des soucis quotidiens notre priorité. Ne vous laissez pas distraire par les problèmes de la vie. Ne vous laissez pas distraire. Faites de la parole de Dieu votre priorité et vous n'allez jamais le regretter. Que la parole de Dieu soit votre priorité. Que la présence de Dieu soit votre priorité. On doit rester équilibré. Je n'ai pas dit que servir Dieu n'est pas une bonne chose. Je n'ai pas dit que aller à l'église, ce n'est pas bon. Être dans la chorale, visiter les malades n'est pas bon. Toutes nos activités que nous faisons, que cela soit bonne, des activités de charité, elles sont bonnes, mais elles ne valent pas plus que la présence de Dieu. Et n'oubliez jamais, on a constaté plus un ministère grandit, plus un chrétien grandit en responsabilité, en activité, en importance, moins sa spiritualité grandit. Pourquoi? Parce que nous tombons dans le piège de l'activisme. Comme martre, on est occupé à visiter les gens, on est occupé à prier pour les gens, on est occupé à préparer le message, on est occupé à plein de tâches d'organisation. Mais on a peu de temps et on tombe dans le piège. On n'a plus le temps pour prier. Nous voyons dans Actes des Apôtres. Voyez. Nous allons voir ce passage. Il n'est pas convenable que nous délaissons je vais vous chercher ce passage dans Actes. Acte 6, verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables.
voyez, il y a toujours un moment dans le ministère où on doit trancher. Quel que soit votre niveau spirituel, cela nous concerne tous. Il y a toujours un moment dans la vie où on doit trancher entre nos tâches quotidiennes et la parole de Dieu. Voyez. L'apôtre Paul dit, verset 2, acte 6, verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage et qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Voyez. Donc, ça veut dire que même les disciples étaient arrivés à ce dilemme. Mais et ils ont vite tranché. Ils ont dit aux disciples, choisissez cet homme pour faire ses tâches. Nous, on va continuer à nous appliquer à la lecture de la parole, à la prière et à la lecture et au ministère de la parole. Et parfois, dans une église, le diable essaye de distraire l'homme de Dieu par des tâches secondaires, techniques, matérielles, ceci. Tout cela, c'est pour détruire sa spiritualité. Alors, c'est bien de prier pour votre pasteur, mais c'est mieux de l'aider. C'est bien de prier pour votre pasteur qui soit rempli du Saint-Esprit, qu'il ait la parole, qu'il vous prêche bien le message. Mais ce que vous pouvez faire de mieux, c'est de vous occuper de certaines tâches matérielles pour que cet homme-là ait le temps pour prier et méditer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va écouter encore notre sœur Jennifer et à la prochaine. La justice est la...